Doline, je suis entrée. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Je suis pas sûr, j'ai ma barre de vie, tout ça. Très bizarre. Hein. Tu sais ce que fait Harriet? Je veux qu'elle voie aussi. Cecilia, tu lui demandes? Pourquoi te demander? Le rire était génial, ouais. J'aimerais pouvoir faire le même. Ta mère est dans ce village depuis longtemps, non? Tu as entendu parler du ferry sous le cercle? Il doit y avoir un passage. Tu sais quelque chose? Non? Il faut que je trouve quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a changé de chapitre en fait. On n'est pas dans son... dans son cinquième chapitre. Ça a dû déclencher la suite en fait d'avoir fini le 5 de Kids plus celui-ci. Il y a des fins multiples à ce jeu? Aucune idée. J'ai jamais fait donc je peux pas te dire. Hervé écrit une histoire, il paraît. Tiens, tu cherches des idées toi aussi, Cecilia? Tu me feras lire, hein? Il écrit des histoires, le Hervé. Comme un autre personnage. C'est Douline, il y a 17 ans. Ça me revient. C'est à ça que ressemblait le village quand j'y vivais. Mes souvenirs ont pris la forme d'un Netherworld? Mon passé remontera peut-être? Ça se trouve, elle voit les morts, effectivement. Et Hervé, il est dead. Et Kitz, c'est Hervé. Et Kitz, il est dead. Bon, c'est qu'une hypothèse. Hein. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande? Je veux être peintre. Tout n'était que bonheur pour moi à cette époque. Enfant, j'étais pleine de vie. Pourquoi j'oublierais de tels souvenirs? Bon, Hervé, on n'en a pas encore la certitude que ce soit Kit, mais quand même, ils ont un peu la même tête, hein. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as, Hervé? Je n'ai plus qu'un an. Ah! Plus qu'un an? Qu'est-ce que tu veux dire? Un an? Hervé? Un an à vivre. Mère, où vont les gens quand ils meurent? Ils vont vraiment au paradis? Le paradis, ça n'existe pas, hein? Cecilia. Hervé, il va mourir bientôt. S'il y avait un moyen... Reviens vite, mère. Mais oui, l'ambiance est beaucoup trop bien, Wedge. Je suis tout à fait d'accord.
Tu es Cecilia, hein? Pourquoi tu pleures? Je veux aider Hervé. Aider Hervé? L'aider à quoi? Hervé va mourir, il n'a plus qu'un an. Oh non, c'est horrible. Vous cherchez quoi ici? Ah, en fait, je cherche un ferry. Tu savais? Ils exaucent les vœux. Un ferry? Je peux voir un ferry aussi? Ça dépend. Je sais, je vais te dire un secret. Prie les ferries. 9 jours. Et les ferries viendront te voir. J'ai tout essayé, mais je ne trouve pas les ferries. Il n'y a que les enfants qui les voient. Si je viens toutes les nuits et que je prie fort, les ferries sauveront Hervé? Oui, si la légende des prières aux ferries est vraie. La dernière nuit, après la litanie de 9 jours. La nuit du Samen. Cette nuit-là, le passage menant sous le cercle était ouvert. Le Samen, j'ai regardé un petit peu, c'est une espèce de fête celte ou je sais plus trop quoi. J'ai regardé très vite fait avant le stream en fait. J'étais jeune, intrépide, je suis entré. Vous êtes une fairy? Vous pouvez exaucer mon vœu? Je veux sauver Hervé. Que dois-je faire? Du sang. Donne ton sang. Et puis je me suis coupé et j'ai offert mon sang. Ça... ça fait mal. Ça va le sauver. Sa vie rallongée. Enfin, Hervé sera sauvé. Il y a plus, mais j'ai oublié. Qu'ai-je fait d'autre pour sauver Hervé? Je suis rentré blessé, et après... où suis-je? Cecilia, reste calme. Docteur Lester? Tu as dormi assez longtemps. Tu étais gravement blessée dans les ruines. Je suis vivante? Est-ce que je suis devenue un ferry? Attendez, Hervé? Docteur Lester, quoi? Ta mère va venir te chercher. Attends un peu, Cecilia. Elle sera bientôt là. Je me rappelle. Le docteur Lester avait l'air absent quand je lui ai demandé. Je n'ai pas osé lui poser d'autres questions sur Hervé. Allez, dis-moi, comment es-tu rentré dans les ruines? Non, je sais rien, je me souviens pas. Ah d'accord. Tu as tué Hervé? Je n'y crois pas, mais c'est ce qu'on dit. S'il te plaît, dis-moi. Pourquoi Hervé devait mourir? Non, je... Qu'as-tu fait? Que lui as-tu fait? Arrêtez, non! Toi, qu'as-tu fait? Petite sorcière! Ah!
Je voulais juste sauver Hervé. C'est pour ça que j'ai prié les Ferizes et donné mon sang. Mais... Hervé est mort. Docteur Lester, vous l'avez caché pour mon bien. Maintenant, je sais ce qui s'est passé. Je les ai tous tués. Le père d'Hervé et Ryan. Je suis désolé. Pardonne-moi, Hervé. Mais alors, c'était quoi cette chose? Cette chose là-bas? Je dois m'enfuir, me cacher. Mais où? À moi. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur, tout ira bien, ne bouge pas. Maman ne sera pas longue. Attends! J'ai peur, aide-moi! Je ne veux pas rester ici. Pourquoi tout le monde est en colère? S'il te plaît, maman! Bon alors, vous êtes qui au juste? Hé, hey, stop! Kit, elle va s'enfuir. Y'a quoi par là? Bah le mieux c'est d'y aller, pour voir. Est-ce que la hague et Hélène se trouvent droit devant? Hélène? Pourquoi ici? Je vois. Elle n'a jamais disparu. Elle a toujours été ici. Vas-tu voir la hague? Non. Ah, eh bien... On dirait que le mystère sera bientôt résolu. J'aime bien ce thème au piano, là. Toi! Hélène. Je comprends à présent, je comprends ce que tu voulais faire. Et pourquoi tu es venue dans ce village? Ma fille, aidez-la. Mais c'est Doline. C'est bizarre, elle a disparu de la scène, me semble-t-il. Enfin, c'est bizarre. Pas si ce que j'ai dit tout à l'heure était vrai. On va voir. Tu ne souffres pas trop de ne jamais voir ta mère, dit Cécilia. Pas vraiment. Je sais qu'elle m'aime, même si elle vit loin. Un jour, je travaillerai à l'étranger, tout comme elle. Tu devrais être peintre, Cécilia. Comme ça, tu pourrais voyager. Tu peins tellement bien.
Oh Hervé, c'est une idée géniale. Tu as fini? N'oublie pas de me donner l'air cool, hein. Moi, je vais être écrivain, comme mon père. Eh bien, je pense que ça devrait donner à peu près ça. C'est terminé? Allez, montre-moi. Je commence à comprendre. C'est le passé de Doolin. Le Netherworld, sans aucun doute. C'est là qu'Hélène a atterri. Eh bien, on dirait que les deux gamins sont allés au cap du phare. C'est pas là le cap du phare. Si, c'était là-bas. Pour moi, c'était là-bas, puisque c'était là où il y avait le... Ah bah, d'accord. Le premier royaume. Cécilia, qu'as-tu mis à l'intérieur? Un dessin de la côte. Tu te souviens comme elle était belle? On aurait dit une entrée menant directement à l'océan. Ah. Je veux toujours m'en souvenir, même quand j'aurai grandi. Moi, j'y ai mis mon carnet de santé. Marre d'être malade. Ouais. Un village de cartes postales, mais rien ne reste paisible éternellement. Je me demande quelle est la date. Cécilia, où es-tu? Cécilia? C'est la fête de Samhain aujourd'hui. Où est-elle allée? Hey! Voici le cercle. Cécilia a été gravement blessée à l'intérieur. Ce qui signifie qu'il s'y passe quelque chose en ce moment même. Franchement, l'écriture est vraiment pas mal. Hein. Les choses qui arrivent petit à petit comme ça, c'est assez bien fichu. Oh non, Cécilia! Cécilia! Du calme, Hervé. Allons voir. Il faut la tirer d'ici tout de suite ou elle mourra. Mon Dieu, c'est très grave. Et puis on l'a emmenée à l'église. La tragédie commence là, mais Cécilia ne se réveillerait que plus tard. Quoi? Vous êtes sûr? C'est la vérité. Harriet m'a dit... Pourquoi? Pourquoi? Non! Où est Cécilia? Où est-elle? Elle a quitté la clinique ce matin. Elle ne doit pas être là.
Ah, il y a de la bagarre ici aussi. Où est-ce qu'on est? Bah, pas vraiment dans un royaume, en fait, hein. Ah oui, du coup, là, on retrouve d'anciens folks. Ce qui peut nous permettre... bah, d'augmenter certaines créatures. Hein. Genre back un spook avec celle-ci. Et là, c'est un pook. Oula, il y a un peu de monde en fait, hein. Juste un peu. Ah oui, il a pas l'attaque devant. Je préfère largement la SF au truc ésotérique. Et quand c'est bien fait, c'est prenant. Ah oui, je suis assez d'accord. Voilà, vraiment, je trouve le scénario vraiment très intéressant à suivre. Putain, j'aimerais même pas voir ce que c'est ça. C'est un pook? Oui, c'est un... Non, c'est pas un pook, si. Si, si, c'est un pook. Donc dans l'idéal, il faudrait que je les ken ceux-là. Enfin, avec cette créature, quoi. Et rien n'empêche d'en absorber quelques-uns, quand même, hein. Comme même. On va faire du kill sélectif un peu. Oula. Je crois que c'est la première fois que j'en absorbe autant d'un coup. C'est sûr même. Et quel niveau lui? Rang 7, d'accord. J'aurais pensé qu'il était plus haut que... Hélène. Bah à tort. Mais les cristaux partout, ils sont planqués. Infernal. Hervé, on va jouer. Toi, tu as tué Hervé. Hervé, oh toi, petite sorcière, rends-le-moi. Tu l'as tué. Il est mort, sale petite. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh non, qu'avons-nous fait ? Imagine, il faut quitter le village. C'est impossible. Il faut partir. Mais et toi? Il faut vivre. À n'importe quel prix. Ok, c'est là où le père d'Hervé tombe et décède.
Oula. Sympa le décor. C'est quoi cette fois? Des patriotes. Oh non, ils sont relous graves ceux-là. J'aime pas. On va déjà déglinguer ceux-là, là. Je pense que c'est le mieux. Bête. Ouais, en fait, niveau soin, il nous régale. Hein. On n'aura pas trop de problèmes à ce niveau-là, je pense. Oula, c'est quoi tout ça? Plein de cadeaux. Bon, c'est que des soins. Très bien, très bien, très bien. Oh, vas-y, je le laisse. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Hervé? Je vous en prie. Je vous en prie. Toi, qu'as-tu fait, petite sorcière? Ramène-le! Ramène-moi Hervé! Maman. Je suis désolé, c'est pas ma faute. Chut. Mon chéri. Ma chérie. Alors c'est donc ici, voici la hutte d'Hélène. S'y passe-t-il quelque chose? Là, il y a un truc dégueu. Ah ouais, direct la bagarre quoi. Salut Wedge, comment ça va? Ça va super, merci. Pas des trucs à améliorer là ?
Des afanques. C'est quoi les afanques? Aucune idée. Je t'en prie, je dois savoir. On est amis, non? Non. Je ne sais rien. Oui, mais tu as vu quelque chose. Je sais tout pour l'église. Tu veux que je garde le secret, n'est-ce pas? Non. Hervé. Comment es-tu entré dans les ruines? Je veux parler aux Ferries aussi. Alors mieux vaudrait m'aider. Qu'est-ce que tu as vu? À l'aide? Non, attends! Cécilia. Il y a quelqu'un? Cécilia? Après avoir tué Reynaldo, c'est ici que vous avez caché votre fille. Sors, s'il te plaît. Mais elle restait introuvable. Où pouvait être la petite Cécilia? Non. Ryan a menacé votre fille et elle s'est enfuie. Ainsi commençait une nouvelle tragédie. Mais moi, je ne suis qu'un spectateur. Cécilia! Ça fait très Beetlejuice en fait, ce thème. C'est exact, à ce moment, quelqu'un a tué Ryan. Ça a l'air fermé. Allez, encore de la bagarre. Genre, je l'ai pas tué. Salut Oz, comment ça va? Ouais, ça va super, merci.
Pas mal du tout. Stop! Ne pars pas. Non! Je ne sais pas, arrêtez! La hague. Maman, j'ai peur. Où est-ce qu'on est? Tout va bien. Personne ne te trouvera ici. Reste ici, attends-moi. Chérie, je reviens vite. Non! Maman, ne pars pas! Maman, je suis désolée. Je voulais... Hervé. Calme-toi, Cécilia. Ne pleure pas. Tout ira bien. Tu n'as rien fait de mal. Tu es mon petit ange. À cet endroit, Cécilia a prié. Et son ami ainsi que deux villageois ont trouvé la mort. Incapable de faire la part des choses entre la cause et les faits, car elle était encore trop jeune. Cécilia a fini par se sentir responsable. Et la peur, cette terrible peur que quelqu'un la ramène un jour ici. Celui-là, je peux peut-être l'améliorer. Ouais, normalement, c'est sur les derniers. Durandal. Ben, un barguest avec Durandal. Eh ben, c'est non. Un barguest. C'est les poilus, ceux-là. On se calme, les gars, là. Probable, oui. Mais quand même. Pour ta question, Nanatoru, aucune idée de enfin, du format d'une PS5, quoi. Mais bon, tu vois à peu près. Thank you.
Hervé. D'abord le père de Hervé, puis Ryan, à cause de moi. Pourquoi les gens doivent mourir? Pourquoi tant de douleur et de haine des autres? Comment faire un monde meilleur? Qu'est-ce qui ne va pas? Je voulais juste sauver Hervé. Il y a quelqu'un? C'est qui? C'est moi. C'est donc ici qu'elle était. C'est fou, juste là où sa mère lui avait demandé d'attendre. Kits? Ce n'est pas un endroit pour une dame. Quelqu'un qui tient à vous m'envoie. Pour vous sauver. On vous a demandé de me sauver? Mais qui? Découvrez-le par vous-même. Ah oui, d'accord, on a basculé de personnage. Mais alors, ma mère m'attend? Oui, c'est peut-être encore possible. Tu as eu une vie triste, mais pas mauvaise pour autant. À toi maintenant de t'en sortir, de vaincre ce traumatisme. D'accord. Ah tiens, je ne peux pas changer de cap ici. Bah non, j'ai pas de cap. Suis-je bête? Le village putride? C'est un boss? Il semblerait. Oui, il n'y a qu'une seule page. Alors, faut shooter. Faut shooter. On dirait que le fusil à lunettes. Et après, électrique. Je me demande si c'est le premier... Enfin, si c'est le même, le premier et le deuxième, là. Je suis pas sûr. Hein. Alors... J'ai vu celui-ci, c'est sûr. Et celui-ci, c'est sûr aussi. Ouais, on verra. Peut-être mettre l'autre quand même au cas où, pour voir. Ah, ça marche aussi, semblerait-il. Alors, la lance. C'est à quel moment? C'est pas précisé. Je pense quand il n'y a pas le bouclier.
Salut, chat noir. Je galère à le toucher là. Allez, c'est fait. Où est-elle? La sorcière. Je la traquerai jusqu'au bout du monde. Elle paiera, je le jure. Régine, il faut quitter ce village. Il faut cacher Cecilia. Elle aura besoin d'un nouveau nom. Je te protégerai, quoi qu'il en coûte. Dis adieu, Cecilia. Tu es Hélène à présent, mon ange. N'était pas facile à l'époque où je me suis retrouvée enceinte de toi. Ça n'a pas d'importance. C'était comment le jour où je suis née? Chaque jour, tout était magnifique. Le soleil brillait dans le ciel de juillet. La lavande avait envahi les collines. J'étais si heureuse. Mmh. Une nouvelle vie, un nouvel espoir. Tu m'as tellement aidée. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je ne pouvais pas rester avec toi, mais je me suis promis de toujours te protéger. C'était vous, la féerie qui prenait soin de moi, ma propre mère. J'aurais dû m'en rendre compte. Je suis désolée de t'avoir imposé cette épreuve. Non, il ne faut pas. Et de t'avoir abandonnée.
toute seule. Mère, j'ai toujours été heureuse. J'ai l'impression d'avoir ruiné ta vie. Ruiné ma vie? Mais non, au contraire. J'ai vécu uniquement pour te protéger, ma chère Hélène. Mère. Hélène. Montre-moi ton visage. Je suis si contente que tu sois en vie.